Regarde, j'ai fait ça. Allez, je te montre. Du coup, il nous faut des flocons d'avoine, petit peu de farine, un petit peu de levure. Alors, comme d'hab, je vous mettrai la recette sur le blog, hein, comme d'hab. Oups, pardon. On va rajouter du sucre roux ou de la cassonade, si vous avez. Hop. Et on va déjà mélanger un petit peu tout ça. Brièvement. Voilà. On va venir rajouter maintenant un œuf. Bon, vous savez que moi, je le contrôle toujours à l'avance. Hein. Hop, avant de le mettre dans le reste. Chacun ses petites habitudes. On va rajouter du beurre fondu. Et on va rajouter un petit peu de vanille liquide. Bon, normalement, il faut peser. Hop, voilà, c'est fait. Allez, on mélange ensemble. Donc, je mélange et je reviens. Voilà, donc une fois qu'on a tout mélangé, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est qu'on va prendre ici notre toile de cuisson, la classique. Hein. Hop, on va la mettre sur notre plat plat, comme d'habitude. Hein. On va prendre ici, moi j'utilise la petite spatule là, mais en fait c'est l'équivalent, on va dire, d'une cuillère à café à peu près. On va venir mettre ça sur la plaque, on va former plus ou moins une petite boule. Alors, vous voyez, c'est pas très compact hein, par contre, mais ça va se lier à la cuisson hein, tout simplement. Hop, donc on fait une petite boule, on va prendre une cuillère et on va venir appuyer dessus. Voilà, pour faire notre petit biscuit. On essaye que ça ait une forme plus ou moins ronde. Hop. Et voilà, je fais les suivants, je reviens. Bon, alors voilà ce que ça donne. Hein. Bien évidemment, comme d'habitude, pas du tout organisé sur la disposition. Mais ça, vous avez l'habitude. Et il m'en reste, donc je vais devoir faire une deuxième plaque ensuite. Hein. Je ne les ai pas trop serrées quand même. Et puis un peu posées n'importe comment. Au final, je me suis quand même plutôt aidée de ma cuillère ici pour venir bien tasser l'ensemble. Ça va être important, je pense, pour que ça se tienne bien et que tout soit lié à la cuisson. Donc, ça part au four pour 12 minutes à 180. En attendant, on va prendre un petit récipient et on va prendre notre meilleur chocolat. Donc, plutôt noir, lait éventuellement, blanc, c'est comme vous voulez. Hein. Vous prenez ce que vous aimez, peu importe. Et on va tout simplement faire fondre ça au bain-marie. Voilà ce que ça donne. Nos petites galettes, ça a l'air sympa, ça par contre ça sent tout pareil, je pense que ça va être sympa. Du coup j'ai préparé avec le reste une deuxième plaque, donc là j'ai changé, j'ai utilisé mon tapis à génoise, hein, je vous le dis souvent, de l'utiliser aussi pour ça, ça marche très très bien. Donc je laisse refroidir celle-ci, je mets à cuire celle-là, mon chocolat est en train de fondre tranquillement au bain-marie. Allez, donc là c'est presque froid, c'est tienne moins on va dire, voilà. Attendez bien que ça refroidisse pour les démouler, pour sinon ça va casser encore une fois. Donc je vais les enlever ici de ma toile. Bah oui, parce que j'ai qu'une toile. Bravo la conseillère, je n'ai qu'une toile de cuisson. Et je vais m'en resservir pour faire le reste de ma recette, pour éviter d'en mettre partout sur mon plan de travail. Je reviens, je vais la laver. Au passage, je vous montre petit séchage express de notre toile de cuisson. Ça marche aussi avec les moules qui sont un peu plats. Hop, je la mets dans un chiffon. Pas microfibre par contre, hein, parce que sinon ça va accrocher les petites poussières. Vous allez en avoir plein sur votre toile. Donc vraiment voilà, un torchon qui n'accroche pas les poussières. Et hop, voilà, vous voyez, vous pouvez la tordre dans tous les sens. Il n'y a pas de problème. Hop là. Et elle est sèche. Voilà. On va venir la remettre ici sur notre plaque qui va nous servir de support hein, tout simplement. Et donc là on a notre chocolat qui a donc fondu tranquillement. Alors moi vous savez je m'embête pas, je sais c'est pas les méthodes traditionnelles mais c'est pas grave. Je fais tout simplement bouillir de l'eau que je mets ici dans mon récipient, pas trop parce qu'il faut pas que le chocolat rentre en contact avec l'eau, et je fais fondre, vous voyez, voilà, tranquillement. Ça met peut-être 10 minutes, mais c'est pas grave, on a le temps, il n'y a pas de problème, et surtout comme ça je ne brûle pas mon chocolat, l'idée est là. Donc là maintenant l'idée, toc, et ben on va prendre deux petits biscuits et on va venir tremper, hop, alors généreusement hein, on y va, tant pis je vais en avoir sur les doigts, mais on y va quand même, vous voyez, généreusement hein. Ce
qu'il me semble qu'ils sont bien généreux hein, au niveau chocolat, les petits biscuits qu'on mange à Ikea. Et on va venir ici fermer les deux. Voilà. D'où l'importance d'avoir des biscuits un peu de taille similaire. Et on va laisser refroidir comme ça. Ah, vous ne le voyez pas du coup. Il est là, regardez. Hop là. Vous voyez que c'est super pratique ma toile de cuisson. Allez, je finis. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Hein, voilà, donc là, j'en ai fait 5. J'en ai encore qui sont dans le four. Bien évidemment, j'ai un orphelin. Donc, on va voir après si je le mange en 12 dégâts. Je fais refondre un petit peu de chocolat parce que, bien évidemment, j'en ai pas fait assez. Et je vais mettre donc ça au frigo pour que ça fige. Et je reviens vous voir. Bon, ben me voilà, c'est tout fini. Hein. Donc, j'en ai fait 8 au final avec la quantité là que j'ai faite. Hein. Donc, je vous mettrai la recette sur le blog. Et voilà donc ce que ça donne. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à se régaler.